Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit. Alors aujourd'hui on va essayer d'apprendre à réaliser ensemble une maquette en flat design. Donc je vous rappelle que le flat design c'est des aplats de couleurs, des couleurs vives et surtout un graphisme simple. Donc voilà, on va essayer de reproduire cette maquette. Vous allez voir que ce n'est pas forcément difficile à reproduire, bien au contraire, hein, ça va aller assez vite même euh, si on dispose de, de tous les éléments, hein, des images, des icônes, des logos, etc. Euh, je vais juste vous demander avant toute chose de télécharger euh, le fichier source. Dans ce fichier source, vous allez, vous allez avoir donc, des images que l'on va utiliser pour réaliser... Le tuto. Et puis aussi, dans les sources, vous, avez, vous allez avoir un fichier qui s'appelle couleur.psd. Alors, qu'est-ce que c'est le fichier couleur.psd Bah, je vais vous montrer tout de suite. En fait, je suis allé sur, donc, euh, couleur.doby.com Je ne sais pas si vous connaissez. C'est vraiment quelque chose qui est très pratique. Euh, tout simplement, si vous avez un petit peu de mal avec les couleurs, vous pouvez, par exemple, cliquer sur explore. Donc le deuxième lien en haut. Et il y a des gens, des, des gens comme moi, des gens comme vous qui euh, créent leur propre panel de couleurs, on va dire. Et vous pouvez rechercher par exemple, si on clique, si on tape flat. Adobe va nous ressortir donc un panel de couleurs euh, dédié au flat design. Alors il y en a des plus ou moins sympathiques. Euh, donc après, voilà, à vous de choisir une palette de couleurs qui vous correspond, hein, si vous avez un petit peu de mal avec les couleurs. Moi, j'en ai choisi une pour vous. Euh, je ne sais plus du tout où elle est dans le panel, mais c'est pour ça que je vous ai fait dans les fichiers sources un petit euh, fichier qui s'appelle couleur.psd. Donc voilà, c'est un panel de couleurs, hein. on va s'en servir pour constituer la maquette du site internet, vous voyez, hein, on reste vraiment dans, euh, dans ce panel de couleurs. Ça sert à rien de mettre des couleurs en plus euh, bah, trop importantes, sinon ça fait un petit peu sapin de Noël. Déjà là, on en a pas mal, hein. on en a trois, on en a cinq. Donc c'est bien suffisant. Donc je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. On va pouvoir fermer tout ça et puis créer un nouveau document. Alors pour créer un nouveau document, je vous rappelle, si vous êtes sur PC, que ça va être les touches Ctrl et N. Si vous êtes sur Macintosh, ça va être Commande et N. Ici, on va spécifier une largeur, donc un espace de travail quand même assez large hein, pour qu'on voit clair. Donc, on va spécifier du 1200 pixels. Alors, je vous rassure, hein, le site au final, enfin la maquette ne sera pas dans 1200 pixels, c'est juste histoire de voir les marches sur les côtés. Au niveau de la hauteur, hein, euh, pff, eh bien, on peut dans un premier temps se mettre en, en 1000. On, on pourra toujours augmenter la largeur tout à l'heure. En résolution, on reste en 72 vu qu'on est sur euh, ben, de la résolution écran. Hein, donc euh, on est sur du web. C'est de la résolution écran. Au niveau du nom, on peut ben, marquer mon site internet par exemple. Hein. Voilà. 1200, 1000 pixels, 72. C'est ce qu'il faut retenir. On se met, on clique sur OK. Alors oui, si ici si, bah, par défaut vous êtes en centimètres ou en millimètres, mettez-vous directement en pixels. Puisque dans le web, hein, généralement, on travaille en pixels. On valide. Et puis, euh, bon, bah voilà, on va voir notre page blanche. Dans un premier temps, ce qu'on peut venir faire, c'est double-cliquer sur l'arrière-plan pour en faire un calque. Euh, du coup, pour le déverrouiller. On peut même l'appeler fond. On va servir de ce calque pour euh, du coup appliquer une couleur de fond. Alors si on revient dans notre PSD qui s'appelle couleur, on va venir pouvoir euh, sélectionner la couleur donc, bleue. Et pourquoi pas déjà eh l'appliquer dans notre fond de page. Alors pour appliquer une couleur. Très facile, hein. édition, remplir. Couleur premier plan, puisqu'en premier plan ici, on a bien euh, sélectionné notre couleur bleue. OK. Un raccourci clavier, je vais revenir en arrière en faisant CTRL Z ou CMD Z. Un petit raccourci clavier, vous appuyez sur Shift et la touche retour qui, euh, qui se situe au-dessus de la touche entrée. Voilà, c'est vite d'aller chercher dans le panel en haut. Euh, du coup on gagne du temps et on fait ok alors tout de suite ce qu'on peut faire c'est définir nos marges alors pour définir des marges on va s'utiliser on va céder des, des règles pardon pour afficher les, les règles si elles sont masquées comme ceci vous avez juste à appuyer sur les touches CTRL R ou CMD et R pour les afficher vous voyez, ou les masquer voilà on va venir sélectionner l'outil rectangle de sélection donc, qui correspond à cette icône. Le raccourci clavier c'est M. Et puis, on va venir se placer dans le coin ici en haut à gauche. On va cliquer tout en appuyant sur Shift pour garder, vous voyez, euh, le, un ratio pour faire un petit carré. Enfin, on n'est même pas obligé de faire ça, d'appuyer sur Shift, mais c'est pas grave. Alors là, important, vous voyez, moi, euh, je suis en centimètres. Pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, j'ai dû travailler sur du print, j'avais besoin euh, d'unités en centimètres, alors je me suis mis en centimètres. Ici, bah, c'est pas terrible hein, pour du web. Donc on va pouvoir se positionner directement en pixels. Donc on va venir cliquer sur Photoshop, préférences, et puis on va pouvoir cliquer ici sur unités et règles. Donc là vous voyez, je suis en centimètres, c'est pas ce que je veux, je veux être en pixels. Donc, je sélectionne pixels et je fais OK. Si bien que je reprends l'outil rectangle de sélection. Donc, on n'est pas obligé d'appuyer sur Shift, c'est pas très grave. L'idée, c'est juste de faire un rectangle d'à peu près 110 pixels. Voilà. Dès qu'on a notre rectangle de fait, on va pouvoir venir chercher un repère dans, euh, dans les règles ici à gauche. Et on va pouvoir directement voilà le coller. Je reviens en arrière juste pour vous montrer que bah, c'est pas mal puisqu'il y a un magnétisme, vous voyez. Donc là, on est sûr de vraiment se coller à la sélection. Donc là, c'est parfait. Et on va venir se déplacer pour faire la même chose de l'autre côté. Alors, vous voyez, moi j'ai une petite main ici pour me déplacer dans le document. C'est tout, euh, tout simplement là, j'appuie sur la touche espace de mon clavier. Vous voyez, je peux venir naviguer dans ma page. Ça évite d'utiliser le scroll à gauche, euh, à droite et en bas. Pardon. Donc, du coup, on fait la même chose. On essaie de faire un rectangle qui va faire 110 pixels de large. Voilà. Et puis, on applique le repère. Si bien qu'on va se retrouver ici avec euh, une maquette, donc un contenu voyez qui va faire 980 pixels de large ce qui euh, correspond généralement à un standard hein, de, euh, du web alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir cliquer ici dans la petite euh, dans le petit secteur de couleurs et on va venir spécifier une couleur donc on va mettre un bleu un peu plus foncé on va venir spécifier la couleur hexadécimale donc on va taper 2c3e et 50 voilà, c'est un bleu, vous voyez, un petit bleu, un peu, un peu plus soutenu. On fait OK et on va venir faire un rectangle qui va prendre toute la largeur donc de notre document et qui va euh, mesurer à peu près 180 pixels de haut. Donc, on va pouvoir, juste avant de faire ça, créer un, un dossier carrément. Donc, pour créer un dossier. C'est ici, et on va venir ranger tous nos calques qui vont constituer notre header. Alors je vous rappelle que le header, ça va être le haut de notre site internet. Généralement ça comprend euh, des liens, donc un menu, hein, forcément, un logo et pourquoi pas une barre de recherche. On va créer un nouveau document, un nouveau pardon, calque au sein même de ce header, et on va l'appeler fond header. Voilà. Donc c'est important de renommer les calques, hein, ça vous évite après de chercher, hein, surtout si vous en avez euh, 350 000 à la fin, c'est toujours plus agréable d'avoir une lecture facile de nos calques. Donc je vous disais, on reprend l'outil rectangle de sélection, on crée un rectangle qui va faire toute la largeur hein, du document, et puis on va essayer de le positionner à 180 pixels, voilà comme ceci, de hauteur. Comme tout à l'heure, on va le remplir de la couleur de premier plan qu'on vient juste de créer. Donc je vous rappelle, on appuie sur Shift et on appuie sur la touche Retour qui se, re, qui se trouve au-dessus de la touche Entrée de votre clavier. Et là, on a juste à valider. Parfait. On va venir créer une petite marge. J'ai oublié euh, juste au-dessus. Donc pour créer une petite marge, on reprend l'outil rectangle de sélection et on essaye de, se, de faire un rectangle de 50 pixels de haut. Et comme tout à l'heure, on vient prendre notre repère, donc on le reprend bien, on vient cliquer dans les règles en haut, on clique, on reste enfoncé, et on relâche. Voilà. Donc voilà, le fond header, on va pouvoir le remonter, vous voyez, au niveau de ce repère. Donc encore une fois, ce qui est intéressant avec les repères, c'est euh, le magnétisme. Hein, là on est sûr d'être bon, vous hein, voyez Voilà. Parfait. Ce qu'on peut venir faire maintenant tout de suite, c'est créer le fond de notre menu. Alors on va créer un nouveau calque qu'on va appeler fond menu. Voilà. On va pouvoir revenir sur l'onglet couleurs et sélectionner, vous voyez, la couleur vert de notre sélecteur. Et puis du coup, on va pouvoir créer. Un nouveau donc rectangle qui va faire toute la largeur de notre conteneur, donc de notre site, et qui va faire à peu près 65 pixels de haut. Comme tout à l'heure, Shift Retour hein, pour édition remplir et on valide. Pour désélectionner, on y a un raccourci clavier aussi qui, euh, bah, qui est intéressant à connaître, c'est Ctrl D ou Cmd Aider, pour désélectionner. Voilà. Donc là, pour l'instant, on le place par là. Hein. On pourra bouger donc ce bandeau un peu plus tard. Je vais vous demander d'aller dans le dossier source et de venir, par exemple, récupérer le logo teammate On le fait glisser directement dans Photoshop. On appuie sur Entrée et puis on va pouvoir venir le caler à peu près au milieu. Alors, vous voyez l'intérêt aussi de bien nommer. Euh, du coup ces fichiers en amont, le calque reprend directement en fait son appellation. Donc il n'y a pas besoin de venir le renommer, donc c'est un gain de temps aussi encore une fois. Pour essayer de centrer euh, le logo, ce qu'on peut venir faire, c'est se positionner sur le calque fond, on appuie sur les touches Ctrl T ou Commande T, et là vous voyez donc il y a des petites poignées en haut à gauche, en haut à droite, au milieu, en bas à gauche et en bas à droite et ici au milieu aussi. Donc nous ce qui va nous intéresser, là on va vraiment pas toucher à ce calque, on va juste venir récupérer une règle ici à gauche et on va venir la positionner au milieu. Encore une fois, il y a un magnétisme, on relâche et là on est sûr que ce repère eh ben, correspond au milieu absolu du document. Donc moi j'ai tendance à faire ça, hein, j'aime bien savoir euh, tout le temps où est mon milieu absolu. On peut recliquer sur logo-timate et faire CTRL-T. Et là, vous voyez que, encore une fois, on retrouve ces petites poignées sur chaque coin et ici au milieu aussi. Et donc, ce qui correspond au milieu pareil de notre calque. Et là, vous voyez qu'il n'est pas vraiment centré par rapport à notre site internet. Donc, on peut donner des petits coups de flèche directionnels comme ceci pour le centrer. Voilà. Donc là, on est pas mal. Le fond menu, on peut peut-être le descendre un petit peu, hein, comme ceci. Et le logo, voilà, on essaye de, euh, bah de le centrer, vous voyez, euh, dans cette hauteur, à peu près comme ceci. Hein. Donc si on met un repère à peu près au milieu, hein, là, on est à peu près bon, on va dire. Donc, voilà. Donc on ne va pas chipoter pour ça. Donc là, OK, on a bien notre logo. Et maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est euh, bah, créer des petits liens au-dessus. Par exemple, pour des liens annexes comme la newsletter, euh, le sitemap, pourquoi pas les mentions légales. Donc, vu qu'on est encore dans le header, hein, on va rester dans notre dossier Header. On va prendre l'outil texte. Là, on va pouvoir, par exemple, sélectionner la couleur, une couleur blanche. Et euh, enfin c'est même pas une couleur, le blanc. Mais on sélectionne du blanc et puis on va venir juste cliquer n'importe où dans le document. Donc on va sélectionner l'onglet euh, caractère. Donc si vous ne voyez pas l'onglet caractère, il suffit de cliquer sur fenêtre et de cliquer sur caractère. Voilà. Donc c'est dans cet onglet qu'on va pouvoir intervenir directement sur la police, sur la taille de, euh, de la police, sur l'interlignage, sur la chasse, et puis euh, on verra euh, tout ça un petit peu plus tard, sur la hauteur, etc. L'espacement aussi entre les lettres. Donc là, dans un premier temps, on va venir taper news newsletter. Voilà. Donc là, je me suis mis encore 13, hein. ben, ça me paraît pas mal. En arial narrow, alors je sais pas si vous avez cette police, hein. sinon on peut peut-être se mettre en Arial tout court et se mettre en régular, c'est pas mal aussi. Donc on va se mettre en Arial euh, pour que je suis sûr au moins que tout le monde ait cette police. Voilà, donc on se met en Arial et euh, on peut venir donner par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 10 touches d'espace, histoire de séparer les lettres. Et là on va pouvoir taper sitemap. On redonne 10 touches d'espace ou sinon on peut venir sélectionner vous voyez, l'espacement entre les deux. Appuyer sur CTRL-C, ou commande-c pour copier. Et on fait CTRL-V ou CMD V pour coller. Et du coup on vient de coller cet espacement, le même espacement que l'on se trouve ici, ici. Là on peut venir taper euh, par exemple mention légale. Et voilà, donc là on est à peu près bien. Ce qu'on peut venir faire, c'est baisser l'opacité de, euh, bah, de ces liens, parce qu'on n'a pas forcément besoin qu'ils euh, bah, qu soit super visible euh, sur le site internet. Il hein, faut mieux privilégier la visibilité du menu. Donc on va baisser un petit peu l'opacité. Alors vous faites bien attention de sélectionner ce calque où on vient d'écrire newsletter, sitemap et mention légale. Et on va venir. Vous voyez, baisser l'opacité, on peut peut-être se mettre en 65. Voilà, on se met en 65. Du coup, ça me paraît pas mal. Maintenant, on va pouvoir créer une petite barre de recherche qu'on va venir insérer ici. Alors, on va créer euh, un nouveau. Non, on ne va même pas créer un nouveau calque, on va venir cliquer ici. Alors, vous voyez, c'est euh, l'outil comme en rectangle arrondi. Donc si on clique, on clique dessus et qu'on laisse enfoncer, on a différents choix. Hein, si on veut faire du rectangle, un outil rectangle arrondi, une ellipse, un polygone, etc. Donc ce qui nous intéresse, nous ici, c'est l'outil rectangle arrondi. Et on va venir créer un carré qui va faire 30 pixels. Alors du coup, là, on va appuyer sur Shift. Et vous voyez, on va essayer de se positionner à 30 pixels. OK, donc là, on est pas mal. Euh, automatiquement on a un petit onglet propriété qui, euh, qui apparaît donc là on va pouvoir baisser en fait vous voyez les arrondis qu'on a de chaque côté je vais essayer de zoomer un peu plus pour que tout le monde voit clair voilà donc forcément on a créé un outil, un, une forme arrondie on va retrouver un arrondi à gauche à droite en bas à gauche et en bas à droite on peut venir intervenir directement sur l'angle en fait des arrondis vous voyez par exemple ici, si je me place en 5 pixels, voilà, ça vient automatiquement changer les arrondis de, de, chaque, de chaque angle. On peut même venir euh, intervenir sur différents angles. Donc, vous voyez, si je me remets à 10 pixels, par exemple ici, eh bien, il me change le, la valeur de, de tous les angles automatiquement. Pourquoi Parce que ici, vous voyez, le petit cadenas est enfoncé on a juste à cliquer dessus et là on va pouvoir venir par exemple lui donner un angle de 5 pixels à gauche, de 10 pixels à droite, de 5, euh, de 10 pixels en bas à gauche et de 5 pixels en bas à droite. Par exemple, vous voyez, on peut faire des choses comme ça. Donc nous ce qui nous intéresse ici, c'est de mettre l'angle à gauche à 0, l'angle à droite, on va le mettre en 5 pixels. Ici, l'angle en bas à droite, à gauche, on le met à 0. Et en bas à droite, on le met à 5 pixels. Vous allez voir pourquoi. On peut venir aussi directement euh, jouer sur la couleur du, euh, du bouton, vous voyez. Donc nous, ce qu'on peut venir faire, c'est récupérer dans notre onglet couleur, et eh bien, la couleur orange la plus foncée. On fait OK. Et on revient sur mon site internet. Du coup, on va pouvoir venir cliquer dans le sélecteur si on veut, vous voyez. Donc je le refais, j'ai peut-être été un peu vite. On vient cliquer, donc là, ok, on est en jaune. On vient cliquer sur cette couleur et ici, on vient cliquer sur le sélecteur. Voilà, ça nous ouvre donc notre palette, notre sélecteur. Et on va venir pouvoir récupérer, donc avec la pipette, hein, la couleur orange que l'on vient de récupérer dans notre couleur.psd et on fait ok voilà parfait donc là je vais dézoomer un petit peu hein. et là on va se positionner à peu près euh, ici dans un premier temps on peut venir renommer ce calque euh, on peut l'appeler recherche orange voilà Okay. ce qu'on peut venir faire aussi hein, c'est euh, cliquer sur fichier enregistré sous et venir donc l'enregistrer quelque part hein, sur le bureau pour euh, tout simplement en cas de pépin de coupure de courant c'est toujours bien de sauvegarder assez souvent donc moi je vous ai mis un dossier source donc vous allez pouvoir récupérer directement la source de ce tuto dans le dossier source. Donc, hein, je vais l'appeler maquette. Voilà. Enregistrer. Et on fait OK. Donc là, on vient de placer notre premier bouton qui va nous permettre, du coup. Euh... Ah, si, on a oublié de récupérer la loupe. Donc, on va retourner dans notre dossier, dans nos images à utiliser. Et on va venir sélectionner IcoLoop et on va venir la glisser directement dans notre document. Donc là, elle était masquée à cause de la fenêtre des propriétés. Et là, on valide en faisant Entrée. On vient la placer juste au-dessus hein, du calque Recherche orange. Et là, voilà, on positionne à peu près au milieu, hein, comme ceci, notre loupe. On peut venir sélectionner ces deux calques. Donc, pour sélectionner ces deux calques, on clique déjà sur Ico loop loupe, on appuie sur Shift et on clique sur Recherche orange on fait un clic droit et on clique sur lier les calques. Si bien que si on prend l'outil flèche et qu'on sélectionne juste recherche orange, pour le déplacer ailleurs, vous voyez que les deux calques sont liés, ils sont groupés, donc on peut venir aussi sélectionner notre petite loupe et la déplacer en même temps que notre recherche orange. Maintenant, on va créer un rectangle tout simplement dédié à la recherche. Donc on va créer un nouveau calque qu'on va appeler... Euh, non, on va même pas créer un nouveau calque, on va le mettre à la poubelle. On va encore créer un outil rectangle arrondi. Donc du coup, on va encore une fois lui donner une hauteur de 30 pixels et une largeur là de un petit peu plus grande. On va essayer de se mettre en... C'est peut-être beaucoup, 270 on va se mettre en 240 à peu près comme ceci là encore une fois donc on peut venir aussi modifier sa largeur et sa hauteur vous voyez si je mets 290 bah, du coup il s'agrandit donc on va se laisser en 240 comme ceci en hauteur on est bien à 30 au niveau de la couleur et eh bien là on peut peut-être sélectionner un gris donc on vient récupérer dans notre sélecteur, une valeur qu'on va appeler e5e5e5. E5, E5. On fait OK. Donc ça nous fait un gris très 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 clair, c'est toujours mieux qu'un blanc pétant et au niveau donc de nos euh, arrondis, on peut venir du coup lui spécifier 5 pixels à gauche 5 pixels en bas à droite. Donc là, on peut désélectionner le petit euh, cadenas. Et on lui dit 5 pixels en haut à gauche, en bas à gauche, 0 pixels à droite et 0 pixels en bas à droite. Et on est OK. Si bien que vous voyez, on va pouvoir venir joindre, du coup, ces deux éléments parfaitement. Et on n'aura pas les blocs qui viendront nous embêter. Donc là, on peut venir le renommer, ce calque. Hein, on va l'appeler. Euh recherche on met blanc et on, est okay. on fait ok donc là on peut venir sélectionner maintenant ces trois calques et aussi les lier ok donc ça on peut venir supprimer ce qu'on peut venir faire aussi c'est reprendre l'outil texte et puis taper n'importe où dans le document euh, rechercher trois petits points on peut venir lui mettre une couleur, on va mettre euh, par exemple un bleu. Donc pour directement lui mettre une couleur, on peut venir cliquer ici dans couleur, vous voyez, et avec la pipette venir sélectionner le bleu, donc un bleu foncé ou un bleu moins foncé, comme vous voulez. On va venir le placer ici, voilà, rechercher, c'est parfait. Maintenant on va pouvoir, euh, donc du coup ici on peut venir sélectionner ces quatre calques, clic droit, lier les calques, voilà, donc tous ces calques sont liés, c'est parfait. On peut venir peut-être centrer tout ça hein, par rapport à la hauteur. Donc là on est à peu près bien. Les mentions légales tout en haut. On a peut-être rajouté des espaces euh, des espaces centraux. On en avait mis 10, donc on peut en mettre peut-être que 7. On en enlève 3 à chaque fois, 1, 2, 3, voilà. Et peut-être euh, on peut se mettre en, en 12 pixels au niveau du corps de la police, voilà, ça me paraît un peu mieux. Et ça aussi on peut centrer par rapport à la hauteur, et pourquoi pas par rapport aussi à la barre, vous voyez, de recherche. Donc là on est à peu près bien. On peut créer des petites séparations aussi, donc par exemple on peut créer un nouveau calque, on peut venir lui euh, on peut venir sélectionner outil rectangle de sélection et vous voyez on fait on essaie de faire un pixel si on peut sinon on fait euh, un gros rectangle de 9 pixels qu'on remplit de blanc et du coup on vient prendre notre outil rectangle de sélection on sélectionne et on supprime le surplus voilà donc là on vient de créer euh, un pixel de large sur, ben du coup, euh, je crois que c'était 50 de haut. Par contre, c'est peut-être un peu violent si j'enlève les repères. Donc, pour enlever les repères, c'est CTRL H ou CMD H. Peut-être un peu violent, vous voyez. Donc, on va venir baisser l'opacité de ce calque. On va le mettre à 20, par exemple. 20 pixels. Voilà. Ça me paraît tout de suite un peu mieux. Si c'est encore trop violent pour vous, ben 15. Après, ça risque de pas trop se voir si vous mettez moins. Donc, là, on peut renommer le calque 1 en liseray. Okay. Et du coup on va venir le dupliquer. Alors pour dupliquer il y a trois façons. Soit on clique sur Alt et on, le, on, le, donc on clique sur Alt pardon, et on le déplace. Donc on peut même cliquer sur Alt et Shift vous voyez, pour rester vraiment droit sur la ligne horizontale. Et on le déplace. Donc là c'est une première méthode pour dupliquer. Deuxième méthode, on prend le liseré. Et on vient le glisser ici à côté de la petite corbeille. Et on le déplace. Vous voyez, donc là ça le duplique. Ou encore une autre méthode. On appuie sur Ctrl ou Commande et J. Et vous voyez que le calque ici se euh, duplique. Par contre, il est dupliqué, mais il est vraiment à la, au même niveau euh, que son précédent calque. Donc du coup, il faut venir le, euh, le déplacer manuellement. Voilà. Donc trois méthodes hein, pour euh, dupliquer un calque. Donc là on peut on peut rester comme ça hein, c'est pas trop mal on remet les repères en appuyant sur contrôle ou commande H et maintenant on va pouvoir venir s'attaquer eh bien au menu donc on peut se placer tout en haut et là on reprend l'outil texte là on est encore vous voyez si on clique sur le sélecteur en E5 E5 donc on peut peut-être se mettre en blanc 100% pour faire euh, donc ou si on vous mettez si F F F F F, F, F. On comprend l'outil texte, on vient cliquer n'importe où. Donc on essaie de se placer au niveau de notre fond euh, vert. Et on va venir bah, taper accueil. D'ailleurs, je croyais qu'il allait se mettre en blanc, mais pas du tout. Donc, du coup, voilà. On a juste à switcher, vous voyez en bas, comme ça, pour se remettre en blanc. Par contre, ce qu'on peut venir faire aussi, c'est euh, augmenter la taille. Du accueil, donc on sélectionne, on essaye de se mettre en 15, ça me paraît pas trop mal. Voilà. Donc on se met en 15, et là, bah, comme tout à l'heure, hein, on peut essayer de donner des petits coups de flèche directionnelle. Euh, on peut do en donner beaucoup, là, du coup. On peut en donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si bien que notre. Euh Petit repère on pourra le mettre tous les 10 peut-être un peu beaucoup on va plutôt en mettre 16 donc on en enlève f4 1 2 3 4 voilà après donc on va se mettre à propos donc là on est vraiment sur de la maquette hein. si vous avez des clients bah faut je vous conseille de toujours passer par là faut que ça soit le plus visuel possible qu'ils comprennent donc comme tout à l'heure on vient récupérer le blanc qu'on vient donc de créer Ctrl-C ou cmd c Donc petit rappel, j'en ai mis 16 blancs. 16, 16 euh, touches d'espace. Voilà. Là, on peut mettre référence, par exemple. On redonne, on fait Ctrl-C, Ctrl-V, pardon, Commande-V, pour rajouter donc, notre espace. Actualité. Encore un petit coup de Ctrl-V ou Commande-V. Alors, pourquoi pas CV et puis, euh, je ne sais pas, partenaire, si on veut. Et allez, contact. Voilà. Contact. CTRL T dessus. Et on essaye de se centrer, vous voyez, par rapport donc, à notre milieu absolu. OK, donc là, on n'est pas trop mal. Hein. On est bien. On va venir euh, bah, recréer des petits liserés comme on a fait au-dessus. Bah pour faire des séparations. Donc, on prend l'outil rectangle, encore une fois, de sélection. Ce qu'on peut venir faire, c'est sélectionner le liseré copie, le, pardon, le, 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 le fond menu. On fait un CTRL T dessus, comme tout à l'heure. Vous voyez qu'on a encore les petits coins qui apparaissent. Et on va venir, avec les règles, mettre un repère ici et un repère ici. Vous allez voir pourquoi. Ça va être tout de suite beaucoup plus simple pour créer notre liseré, donc on crée un nouveau calque, qu'on met tout au dessus, et là, vous voyez, on essaye de refaire un liseré, encore une fois, bon, de 4 ou 5 pixels, on le remplit de blanc, comme tout à l'heure, shift et, euh, et la touche retour, pour, donc c'est le raccourci de l'édition remplir, là on essaye de supprimer pour ne garder qu'un pixel de large, et en opacité, on va se mettre en 20 ou en 30 peut-être en 30 ça me paraît pas mal du coup on peut l'appeler liserait menu liserait menu voilà donc on essaye de centrer à peu près hein, voilà par rapport à l'espacement qu'il y a entre les mots comme ceci Voilà. donc là je fais alt et shift pour rester droit et pour dupliquer tout simplement alors des fois si on va trop vite ça marche pas alt shift voilà alt shift pour le dernier parfait ok on peut dès à présent euh, spécifier une couleur de fond, donc pour l'activation de la rubrique, donc lorsque l'internaute va être sur la page référence, par exemple. eh bien, pourquoi pas mettre une couleur ici de fond? alors, ce qu'on peut venir faire, c'est se placer juste après accueil à propos, créer un nouveau calque et du coup l'appeler fond active. pour la couleur active, donc en, si vous faites un peu de CSS, vous comprendrez pourquoi. Sinon, vous l'appelez d'une autre couleur. On va venir faire un, à peu près une sélection comme ceci. On va venir récupérer le orange de notre petite loupe avec la pipette et édition remplir. Ok. Là, on est bon. Si on enlève les repères, ben on voit que c'est nickel. Voilà. Donc là, il y a peut-être le liseré ici qui nous en kiquine. À gauche, quoique. On essaye de se caler juste après le liseré. Et du coup, vous voyez ici, on dépasse un petit peu. Bon, pas bien grave, hein. on se remet sur le fond actif. On reprend l'outil rectangle de sélection et on supprime le surplus. Donc là, on peut vraiment intervenir sur un pixel. C'est ça qui est bien avec cet outil. Si on veut supprimer un petit peu de matière. Bah, Là, ça me paraît bien. Ok, c'est super. On peut dès à présent déployer un sous-menu. C'est toujours euh, bien de faire ça hein, si vous présentez donc, cette maquette à un client ou à un futur client pour faire une sorte de mise en situation. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir dupliquer le fond actif comme ceci. Donc, Alt Shift pour rester droit. Là, on peut le renommer en fond actif. En fond plutôt S. Menu pour sous-menu. Voilà, un petit coup de ctrl T et on va essayer, bah vous voyez, de se positionner par rapport à ce liseré pour qu'il ait à peu près la même largeur. Voilà, on va se donner deux euh, deux rubriques en termes de, de largeur. Donc là, on est à peu près bon. On peut juste laisser, vous voyez, un petit liseré comme ça pour donner un petit effet de style pour Venir coller directement le sous-menu. Après, c'est vous qui voyez. On peut peut-être faire CTRL T, l'élargir un petit peu. Voilà, dans le sens de la hauteur. Donc là, on a notre sous-menu. J'ai fait une petite faute. Sous-menu, OK. On va venir maintenant recréer un nouveau calque. Et par-dessus, on va venir créer un nouveau rectangle. Donc, un rectangle, hein, on va lui euh, donner à peu près euh, allez, 250 de large. On va venir se positionner sur couleur.psd et on va venir récupérer la euh, couleur orange, mais cette fois-ci la couleur plus claire. On se replace donc dans notre euh, onglet maquette.psd et puis, comme tout à l'heure, hein, on fait un Shift Retour, remplir, OK, CTRL D pour désélectionner. On peut peut-être refaire CTRL T et lui donner une hauteur un peu plus importante. Bon pour être plus précis, on fait CTRL plus ou CMD Plus pour zoomer. Et là on va lui donner une hauteur de 35 pixels, ça me paraît pas mal, voilà comme ceci. Donc on essaye voilà, de se centrer, de laisser à peu près les mêmes marges, vous voyez ici et ici. On peut se remettre en 100%. Et là, on va venir bah, dupliquer ça deux fois. On laisse un pixel de marge, donc de marge en bas. On duplique et on laisse encore un pixel de marge en bas. Voilà, comme ceci. Du coup, le fond sous-menu, on peut peut-être refaire un contrôle en commande dessus pour l'élargir un petit peu. Voilà. Et pourquoi pas lui... Supprimer un pixel ou deux, comme ceci, c'est très bien. Donc du coup, le calque 1, calque 1 copie, calque 1 copie 2, on va renommer tout ça. Hein. On va l'appeler la, par exemple euh, fond. Donc sous menu 2. Voilà. On peut venir faire un contrôle C, contrôle V. Voilà. Comme ça, tout est bien renommé. Et juste celui-là, donc le fond sous-menu 2, le premier que l'on a créé. En fait, on peut peut-être lui mettre la même couleur. Vous voyez que le rechercher, le fond recherché. Donc directement pour sélectionner, comme je viens de faire, vous voyez, euh, donc mon calque, j'appuie sur contrôle ou commande hein, pour les utilisateurs Mac, et on vient cliquer directement sur la vignette du calque. Vous voyez, toc, ça se sélectionne. Du coup, on va venir Sélectionner, donc on reprend le. On vient cliquer sur notre sélecteur ici, et on vient avec la pipette sélectionner le gris très clair du bouton rechercher. Et comme tout à l'heure, Shift Retour pour édition remplir. Ok, donc là c'est parfait. On va venir se positionner sur le calque Accueil. On le duplique en faisant Alt. On sélectionne tout en double-cliquant sur l'icône, vous voyez ici T. Et on vient garder que le mot « accueil ». Donc, on supprime tout. Là, on peut peut-être euh, lui mettre une couleur différente. Donc, du coup, on peut reprendre la couleur orange. Donc, on clique ici sur « couleur ». On vient sélectionner la couleur orange. Et on vient le... Donc, euh, placer ce mot à peu près ici. On peut se donner comme référence le R de « accueil ». Vous voyez Donc là, on est, à peu, près, on est à, peu, à peu près bien. Si on met un repère... Bah, non. On voit qu'on peut le redécaler un peu vers la gauche. Voilà, donc là, ça peut près aligné. Donc on ne va pas non plus chipoter. Donc le mot accueil, on va pouvoir le remplacer en par exemple Web Design. Et là, on va faire juste entrée. Donc un retour à la ligne. Et on va taper Motion Design. On appuie sur entrée. Et on va venir taper print par exemple. Donc là, vous voyez, il y a un petit problème. On aimerait bien que tout ça, ça s'aligne hein, sur les deux cases restantes. Donc déjà, ce qu'on peut venir faire, c'est sélectionner juste Motion Design et print, et euh, donc cliquer ici sur couleur et spécifier une couleur, bah, la même couleur par exemple du fond ici, gris très clair. Ok. Donc là, on va dire que quand on va passer la souris sur référence, on aura le sous-menu qui va bien sûr se déployer et toutes les cases donc, du coup seront d'un orange un peu plus clair et lorsqu'on va cliquer donc passer la souris pardon, sur une rubrique eh ben cette rubrique va donc euh, se placer en blanc et le lien va se mettre en orange. Voilà. Dès qu'on fait un rollover, on dit hein, un over sur la rubrique, ça change. Là, on va juste voir l'interlignage comment gérer l'interlignage, l'interlignage, ça se gère ici dans les caractères. Donc là, on voit qu'on est en 16, on peut venir, si on veut, euh, changer euh, le, tout ça, se mettre en 40 ou 35 peut-être. Oh, on est pas trop mal là en hein, 35, je vais essayer en 36, ou en 36, là je suis très bien en 36. Donc voilà, l'interlignage, vous le gérez ici. Ça me paraît pas trop mal, maintenant on va pouvoir venir s'attaquer au fil d'Ariane au filtre et puis au comment euh, aux petites vignettes de référence donc du coup là on en a fini avec le leader. donc on peut venir cliquer ouais, ici sur la petite flèche comme ceci donc là vraiment tous nos éléments qui constituent le leader et eh bien c'est rangé dans ce dossier comme ça lors d'une prochaine enfin d'une future découpe hein, si vous avez une intégration euh, HTML CSS à faire tout est rangé là dedans pas de souci. on vient créer un nouveau dossier on peut mettre juste en dessous de leader et qu'on peut nommer par exemple contenu. On le nomme contenu. OK. On peut réafficher maintenant les repères, revenir maintenant dans notre dossier source. Alors là, vous voyez, il y a plusieurs images que donc, je vous ai préparées. Hein. C'est des images que j'ai trouvées sur Internet. Donc du coup, on peut venir tous les sélectionner, les six images. On les sélectionne et on les fait glisser directement dans notre document. Donc là, on va devoir valider six fois. Bah oui, forcément, puisqu'on a euh, sélectionné six. Donc on valide une fois en faisant entrer, une deuxième fois en faisant entrer, troisième fois en faisant entrer, quatrième, cinquième et sixième. Voilà. Donc là, on a bien nos six images qu'on peut du coup glisser dans le contenu. Voilà, c'est parfait. Donc ces six images ont la même, euh, les mêmes dimensions. Hein. Donc du coup c'est pour ça qu'elles sont les unes en dessous des autres. Si bien que vous voyez si je j'en déplace une, euh, bien sûr, on va retrouver l'autre en dessous. Alors ce qu'on peut venir faire, c'est par exemple euh, donc l'image 1, moi j'aurais bien aimé qu'elle soit au-dessus. Donc c'est juste se glisse, reglisser en fait les images de telle manière à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, pour que ça soit dans l'ordre. Donc du coup on peut venir tout sélectionner et là on peut venir se caler directement sur notre paire ici de gauche. Voilà donc on peut à peu près se positionner euh, à peu près allez on va mettre on va se mettre ici donc on se met juste, peut-être pas juste en dessous, c'est bien d'avoir la mise en situation, on se met à peu près ici voilà pour que le, la bande blanche à peu près arrive à à la hauteur du P, vous voyez, à la hauteur du print. Donc là on est bien. On peut venir récupérer directement l'image 3. On appuie sur Shift pour rester droit et on la cale directement ici, vous voyez, par rapport au repère. Donc l'image 2, on n'a plus qu'à la déplacer, comme ceci. Et là on essaye ben, voilà, de garder les mêmes marges entre euh, ce qu'on appelle les gouttières entre chaque image. On va faire exactement pareil avec l'image 4, 5, 6. On appuie sur shift, on les descend un petit peu. Voilà, on essaie encore de garder le même espacement. Donc l'image 6, on va venir la caler directement ici à droite et l'image 5 du coup, on va pouvoir venir la caler ici au milieu. Donc là, c'est euh, ça m'a l'air parfait, tout m'a l'air bien calé. Peut-être lui qui n'était pas très bien calé, il avait un pixel de décalage, c'est pas grave. Là, on est bien. Pour être sûr, hein, vous pouvez même vous donner des petits... Euh, mettre des petits repères. Bon, là, on n'est peut-être pas un pixel près, hein, surtout si c'est de... La... Là, on est vraiment sur de la mise en situation. Donc là, voilà, on vient de définir donc du coup euh, notre zone de référence. Là, on peut juste spécifier un état over sur les vignettes, c'est-à-dire au passage de la souris sur une vignette, et eh bien pourquoi pas remonter toute l'image et euh, laisser apparaître un petit rectangle de couleur avec des infos par exemple le titre une petite description détaillée et un petit bouton de détail pour arriver après sur la référence en question donc là moi j'avais préparé ça sur l'image 1 vous voyez qu'elle est légèrement décalée par rapport aux autres et on va juste rajouter donc un nouveau calque qu'on peut appeler fond euh, fond vignette over. On va venir sélectionner la couleur ici, vous voyez, beaucoup plus foncée du bandeau. Et on va reprendre l'outil rectangle de sélection. Et on va venir, du coup, faire un rectangle qui va faire à peu près 65 pixels, ou même un peu plus. 75 pixels de haut par, donc là on est à peu près à 302 de large. On va pouvoir même augmenter ou diminuer la taille du rectangle si ça ne va pas. Donc comme tout à l'heure, Shift et Retour. Ok. On peut peut-être même venir pousser un peu plus la couleur. La mettre un peu plus foncée. Donc on clique du coup. Je refais, j'ai peut-être été un peu vite. On refait un CTRL ou un Command Click, vous voyez, comme tout à l'heure pour récupérer la sélection. On revient dans notre sélecteur. Et là, on peut peut-être voyez, descendre un petit peu. Je vais refaire. Vous voyez donc là notre couleur se situe ici. On va essayer de descendre donc sur euh, la ligne verticale hein, un petit peu plus bas pour rester dans les mêmes tons. Vous voyez donc là c'est un peu plus foncé et comme tout à l'heure Shift retour. Voilà. On peut venir zoomer pour être un peu plus précis. Donc là on voit qu'on est à peu près bien calé à gauche. Mais qu'à droite, il nous manque un pixel, donc bah, pas de panique, hein. Ctrl ou Cmd T et on vient étirer. Voilà, donc là on est bien. Ok, donc maintenant, donc là, on a notre état over. Il nous manque maintenant une petite description qu'on va pouvoir rajouter. Donc, on va pouvoir créer un nouveau document, un nouveau euh, calque texte. Donc, on clique sur texte et ici. On vient cliquer donc n'importe où sur le document et on vient taper titre. Donc là on voit pas donc on peut venir sélectionner directement le texte. On clique ici sur couleur donc dans les caractères et ben, on peut venir récupérer par exemple cette euh, couleur ici qui est euh, rouge rosé. Voilà et on vient taper titre du projet. D'accord. Donc on essaye de se caler à peu près comme ceci. Donc là on est en 15, alors on peut peut-être se mettre plutôt en 14 au niveau de la, de la taille de la police. Ok, et du coup maintenant ici à la ligne, on va venir taper euh, ou même récupérer du faux texte. Donc on peut aller sur... Si je tape Ipsum, est-ce qu'il me trouve quelque chose Ouais, sur l'OREM Ipsum hein, pour générer du faux texte. Voilà, donc frlipsum.com. Ici, on vient cliquer sur générer, non pas... Euh, si, générer 5 paragraphes, c'est très bien. On clique sur générer du lorem. Et là, on va venir récupérer, par exemple, euh, voilà, une ligne. On copie, on retourne en Photoshop, et on vient coller. Donc, on peut venir sélectionner toute cette ligne, la mettre ici peut-être en 12 pixels, en un peu plus petit, et pourquoi pas venir couper le mot par là on refait entrer et là vous voyez qu'on a encore un problème d'interlignage euh, donc là on est encore 12 ici on est encore 14 moi j'ai tendance à donc du coup me baser sur non pas le titre mais sur le paragraphe je me dis que je suis encore 12 donc forcément mon interlignage va être en 14 je rajoute 2 en fait au, à l'interlignage vous voyez c'est pas mal par contre ce qu'on peut faire c'est refaire un espace entre, entre le titre et le paragraphe du dessous, sélectionner l'espace que l'on vient de créer en double-cliquant, et là on peut venir encore jouer sur l'interlignage. Donc forcément, ici elle est à 14, mais on peut par exemple se mettre en 5, voilà, pour pas non plus qu'il y ait un espace trop euh, grand. On peut venir sélectionner le paragraphe, on reprend la couleur blanche, enfin la couleur gris clair du. Euh, du sous-menu et on regarde ce que ça donne. Ça me paraît pas trop mal. Si, ça vous, si vous trouvez ça un peu trop euh, flashy, ben, vous pouvez euh, du coup mettre un gris un peu plus foncé. Ce qu'on peut venir faire aussi, c'est du coup supprimer par exemple ces mots-là et mettre trois petits points pour ne garder que l'extrait on va dire du euh, de, de la référence. Donc là, c'est peut-être aussi... Ça mord peut-être un peu trop vers la droite. Donc ne pas hésiter hein, à supprimer des mots. Voilà, pour avoir une mise en situation assez claire. Là, on va juste venir ajouter ici un bouton détail. C'est pour ça que je viens de supprimer un mot là, qui me gênait. Donc comme tout à l'heure, je me repositionne sur ici l'outil rectangle arrondi. Et quelque chose que je ne vous ai pas aussi montré. Donc vous sélectionnez et vous faites juste un clic. Et là il vous demande de bah, créer un rectangle arrondi de bah, par exemple euh, on va lui mettre 100 pixels de large et euh, je sais pas 35 pixels de haut. Et puis ici au niveau de l'angle euh, du rayon des arrondis, on se met en 5 pixels partout. Voilà, par exemple. Et on fait OK, on regarde ce que ça donne. Donc là on a un bouton peut-être un peu trop grand. Euh, donc pourquoi pas se mettre en 80, le mettre un peu moins large. Et euh, se mettre ici en hauteur à 30. Voilà, ça me paraît un peu mieux. Et en hauteur, on peut venir sélectionner dans le secteur la couleur, par exemple ici, rose. Voilà. Donc là, on peut venir le caler à peu près comme ceci, ce bouton. Donc là, on vient renommer ce calque, on l'appelle bouton euh, vignette. On reprend l'outil euh, texte. On clique n'importe où. Et on vient, on vient l'appeler détail. On le place à l'intérieur du bouton. On essaye de le centrer. Et voilà. Donc là, on a notre état over », comme on appelle dans le jargon. Donc à chaque fois que l'internaute va cliquer sur une vignette, hein, joue cette image va se va remonter pour laisser place un petit rectangle beaucoup plus foncé ici, avec le titre du projet une description courte donc un extrait et puis un bouton pour accéder directement à la page concernée. Maintenant, on va venir rajouter un fil d'Ariane pour indiquer à l'utilisateur qu'il est bien donc sur la page référence et puis un filtre pour bah, tout simplement que l'internaute puisse filtrer dans vos projets, hein, surtout bah, si vous avez trois catégories, que vous mettez tout au sein de la page référence, qu'il puisse directement, via ce filtre, accéder à une catégorie spécifique. Donc on se place sur le bouton, qu'on reste sur le bouton détail, on vient créer un nouveau calque, on reprend l'outil rectangle de sélection, donc là on peut venir sélectionner le gris très clair du bouton recherché hein, ou du fond de web design, on vient créer un rectangle, on va à peu près le mettre, euh, on va l'arrêter au milieu du document comme ceci, donc on suit au repère. Et on va lui donner une hauteur de 50 pixels. Voilà comme ceci. On le remplit en faisant Shift Retour de la couleur en premier plan. On désélectionne en faisant CTRL D, on baisse un petit peu tout ça, hein, tout ce monde. Et bon, là c'est vrai que c'est un petit peu violent, c'est un petit peu foncé. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est baisser l'opacité de ce calque. Et de le mettre à peu près. On va se mettre en 30 ou ouais, en 30 pixels. En 30% d'opacité, c'est très bien. On renomme calque 1 en fil Ariane. Et directement, ce qu'on va venir faire. C'est prendre l'outil texte et on va venir taper. Vous êtes ici deux points. Donc accueil. On met un petit slash ou autre chose. Référence puisqu'on est bien dans la page référence. Et euh, bon là on peut simuler qu'on est dans la page web design bien qu'on n'est pas dans la page web design. On est bien dans référence. Donc non, on va juste rester comme ça voilà du coup le texte statique on peut le mettre d'une autre couleur on peut se remettre en vert pâle par exemple vous êtes ici le accueil et eh bien on peut peut-être le mettre en, en gris euh, on va se mettre un gris euh, un peu plus foncé en C9 c 9 C9 on va voir ce que ça donne ça me paraît bien le petit euh, slash et eh bien forcément c'est du statique donc il peut repasser. En vert et les références là par contre on peut le remettre en blanc mais vraiment blanc pétant pour spécifier qu'on est bien sur la page référence voilà donc on essaye de caler le vous êtes ici par rapport vous voyez donc on va zoomer à la vignette tac alors on se remet à peu près ici on prend le repère on essaye de se caler vous voyez par rapport au bord orange de la première vignette et le vous êtes ici tac on le cale à peu près comme ceci. On redézoome, on essaye de centrer par rapport à la hauteur du bloc. On est ok. Maintenant on va venir créer un filtre. Donc on va on va comment euh, dupliquer le fil d'Ariane, donc on fait Alt-Shift, comme ceci, voilà. On le cale directement sur ce repère. On peut se remettre ici en 100% hein, et pourquoi pas euh, lui rajouter un gris ici un peu plus foncé. Parce que là donc c'est vrai que c'est un peu pétant. Donc comme tout à l'heure, contrôle ou commande clic sur l'icône. Et on va venir euh, bien euh, spécifier une valeur plus foncée. Donc on va mettre d3, d3, d3. Ça me paraît bien. Édition remplir. Voilà. Vous voyez, c'est tout de suite un peu plus foncé. Donc c'est un peu moins pétant. Le fil d'arrière de copie, on le renomme en fond filtre. Voilà, on enregistre aussi de temps en temps. Et euh, bah maintenant, on va pouvoir encore une fois créer des petits boutons, euh, des petits boutons avec l'outil rectangle arrondi. Donc là, ce qu'on fait, on fait juste un petit clic, hein, on lui spécifie une hauteur par exemple de 85 pixels, une largeur, euh, pop, 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 on peut peut-être se mettre en, 100, en 120 pour voir ou en 130 au niveau des arrondis on peut se laisser en 5 pixels ou on peut peut-être se mettre en 10 là on va voir ce que ça donne on se met en 10 pixels partout voilà et pardon en 10 partout et on fait ok bah décidément je pense qu'il m'aurait remplacé automatiquement par pixels donc là on remet 10 pixels. 10 pixels. Alors, pour, je ne sais pas pourquoi. Peut-être rajouter le PX. Voilà. Ok. En 10 pixels partout. En hauteur. Ah oui, j'ai mis 85. Effectivement, euh, on va peut-être plutôt mettre 85 ici. Et au niveau de la hauteur, euh, on va peut-être se mettre en 30. Je pense que ce sera un peu mieux. Au niveau de la couleur, on peut se repositionner sur du bleu foncé. Donc on prend le sélecteur, on clique sur le bleu foncé et on fait OK. Bah, ça m'a l'air pas mal comme ceci. Donc on peut se positionner encore par rapport à la vignette ici non pas de gauche mais de droite. On reprend un repère, on le cale à peu près ici vous voyez au bord en fait de la couleur orange et on va pouvoir venir positionner notre rectangle arrondi ici Voilà. Donc là, on est bien. Du coup, notre barre de recherche, tant qu'on y est, hein, on peut rouvrir le Vader. et notre barre de recherche qui est ici, on peut venir la caler aussi, voilà, par rapport à ça. Et euh, le euh, newsletter, sitemap et les deux liserés juste au-dessus, on peut venir les décaler un tout petit peu aussi vers la droite. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. On se replace donc dans notre euh, contenu. Donc là, dans le rectangle arrondi 1, on le renomme. On met par exemple fond, bouton, filtre. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va venir le dupliquer. Donc là, on peut se positionner, voilà, se caler directement par rapport au bord droit du premier bouton et donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 10 coups de flèche directionnelle pour euh, voilà, euh, donner une gouttière équivalente, vous voyez, une marge équivalente par rapport au fond ici du filtre. On le reduplique et pareil, encore une fois, on donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 petits coups. Et euh, du coup on va recréer un dernier bouton un peu moins grand. Donc on va se mettre par contre en largeur, on va se mettre en 50 et en hauteur, ben, on se remet en 30. Voilà. Comme ceci, en 10 pixels partout, juste pour spécifier le bouton euh, all. Alors là, je me suis positionné, c'est bizarre, sur le fond là. Ok, donc... C'est pas très grave. Je recommence. Je recrée donc... Ah c'est en... embêtant lui aujourd'hui. <laughs> il veut mettre en degré à chaque fois. Donc en 10 pixels partout. Largeur, on va se repositionner. Euh, je, je crois que j'avais mis euh, 40, je ne me rappelle plus. Hauteur 30. Donc 40, c'est peut-être un peu short. On va se mettre en 50. Voilà. Donc du coup, on se repositionne comme ceci, on redonne 1 euh, à partir donc, de l'extrémité du bouton ici, on donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, pour tout simplement le bouton all. Wow. Généralement, on a souvent donc, le, un bouton All, un bouton donc, euh, qui correspond à une première catégorie, une deuxième et une troisième. Quand on clique sur le bouton d'une catégorie, par exemple Web Design, tout le filtre, donc ça va filtrer, hein, ça va laisser apparaître que les, euh, les projets de Web Design. Et pour revenir à un état normal, donc euh, un affichage de l'ensemble de tous les projets, on reclique généralement sur le bouton All ou Tout. Donc là, on va laisser en anglais, on va mettre All. Euh, donc du coup, on peut se repositionner. Sur lequel vous êtes ici. On appuie sur Alt pour dupliquer. Euh, ce qu'on peut venir faire, c'est. Euh... Ah, c'est pas mal aussi en vert. On va venir supprimer tout, tous les mots à part le vous. Enfin, non, même si le vous, on pourra le supprimer. Et on va remplacer ça par All. Voilà. Du coup, euh, on va venir pouvoir dupliquer le hall. On appuie sur Alt. Et on vient mettre Web Design. D'accord. essaye de centrer ça par rapport au bouton. Web Design, on le duplique. On le nomme Motion Design. Donc là les boutons, euh, la typo c'est peut-être un peu gros. On est en 12, quoique ça passe. On va se laisser comme ça. Je regarde juste en 11 ce que ça peut donner. Bon, on va se laisser en 12. Donc là il aurait peut-être fallu euh, agrandir un petit peu le bouton, mais bon on va pas chipoter. Et on duplique une dernière fois donc, le motion design et on vient l'appeler voilà, print. Donc là vu qu'on est sur l'ensemble de tous nos projets. Euh, vu qu'on est sur la page référence, donc là on a affiché l'ensemble des projets. On peut peut-être modifier le hall. Donc le hall, ça va être le rectangle arrondi 1. On va pouvoir. Donc là on n'a plus accès donc euh, à sa couleur, mais on peut double cliquer dessus en faisant incrustation de couleur et par exemple. Donc on clique sur incrustation de couleur, on clique ici sur euh, le petit rectangle rouge, par défaut c'est rouge, on va venir récupérer le orange par exemple, euh, voilà, de référence, ou euh, je sais pas, le, la couleur plus claire, rose, il bon, n'y a pas vraiment beaucoup de différence, ou le vert, après c'est vous qui voyez, on va se mettre euh, plutôt en orange, du coup, le hall, on va pouvoir lui spécifier une couleur blanche, comme ceci. Voilà. Donc là, vu qu'on est sur le hall, forcément, on a tous les projets, le hall est activé. Voilà, donc là, on n'est pas trop mal, on peut enregistrer. Et maintenant, bah, il va nous euh, rester le pied de page à réaliser. Donc, le contenu, on peut le fermer. Le... On peut recréer un nouveau dossier qu'on va appeler footer. Donc on va mettre tout en bas. Hop là. Non pas dans contenu, mais vraiment entre fond et contenu. Et à l'intérieur de footer, on va pouvoir créer un calque et on va l'appeler fond footer. Voilà. On va reprendre l'outil rectangle de sélection. On va prendre, peut-être même si la pipette. On va sélectionner la couleur du fond donc, euh, du header, donc le bleu plus foncé. On reprend le rectangle de sélection et on refait une sélection qui comprend toute la largeur de notre document. Et on fait édition, remplir. Voilà, en premier plan, parfait. Donc là, on essaye de laisser peut-être une marge un peu plus importante. Hein, vous voyez, entre la fin de nos, euh, de nos vignettes et le footer. Hein, que ça soit un petit peu plus aéré, à peu près comme ceci. Et là, on va avoir euh, un petit problème, c'est-à-dire que notre espace de travail, là, il va être trop petit. Hein, D'autant plus si on a un footer qui est assez grand. Donc il va falloir augmenter la taille de notre document. Donc un, on peut cliquer sur. Alors ça doit être dans euh, image. Taille de la zone de travail. Voilà. Euh, non, c'est pas ça que je voulais faire. Image. Euh, alors, je connais le raccourci clavier. À chaque fois, je sais plus taille de la zone de travail. Normalement, c'est ça. Ah bah oui, bah j'avais dû cliquer ailleurs. Donc, c'est taille de la zone de travail, pardon. Et là, on va venir cliquer sur la flèche du haut pour pousser en fait. Vous voyez, euh, notre euh, contenu vers le bas. Donc là, c'est-à-dire qu'on va rajouter de la matière ici. Vous voyez. Donc là, on a l'état normal. Si on aurait voulu rajouter de la matière à droite, tac, on aurait cliqué sur la flèche de gauche. Pour rajouter de la matière à droite. Là, on veut rajouter de la matière, donc du contenu en bas. Donc, on clique sur la flèche du haut, et là, on dit bah, qu'on veut rajouter à peu près, euh, je sais pas, 200 pixels. Donc, on se met en 1000, euh, c'est en hauteur, pardon, en 1000. On va se mettre en 400. ouais Donc, 1400 pixels de haut. On fait OK, et là, vous voyez qu'il nous a rajouté 400 pixels ici en bas. Donc, du coup, le fond qui est ici. On peut reprendre la couleur donc initiale et refaire euh, Shift Retour pour re remplir tout ça. Voilà. On se replace sur fond footer, on fait un petit ctrl T dessus et puis voilà, on va venir retirer tout ça jusqu'en bas. Parfait. Donc là on va venir créer deux liserés pour séparer en fait notre footer en trois. On va faire un espace donc, qui va être dédié au tweet un espace bah, qui va reprendre tous les liens du site et un espace qui va euh, bah, nous permettre d'insérer par exemple des euh, modules euh, de réseaux sociaux donc euh, un système de follow et puis peut-être un texte court pour vous présenter en bas toujours bien d'avoir euh, bah, du contenu textuel hein, pour le référencement sur vos pages donc on va commencer par créer par cliquer sur euh, outil rectangle arrondi et là, on va venir faire un rectangle euh, arrondi qui va faire à peu près. Euh, on va mettre 50. Euh, non, on va mettre allez, 270 pixels de large. Par en hauteur, on va se mettre à peu près 70, ça doit suffire. Ou 50 même, ça va être beaucoup, 55 pixels de haut. On est bien. Au niveau des angles, là on n'est pas bien, on est un peu, euh, un peu trop large. On va se remettre en 5 pixels un peu partout. Donc dans les angles du haut et les angles du bas, on va se remettre à 0. Voilà. Au niveau de la couleur, on peut venir spécifier une couleur différente donc dans le sélecteur. On peut venir spécifier en bas en valeur hexadécimale par exemple. Euh, on va se mettre en 35. On va se mettre en. A A D C et on fait OK, donc là c'est ce qui correspond généralement à la couleur de notre petit oiseau Twitter. Et du coup, on va pouvoir venir se positionner un peu plus ici à gauche. Je vous parlais de l'Iseret tout à l'heure, on va pouvoir en créer, mais juste avant, on va renommer ce calque en, en par exemple euh, top twitter euh, gauche vous mettez ce que vous voulez, moi je suis pas très fort hein, dans les appellations des calques euh, là on se on recrée un nouveau calque on va appeler liseré <coughs> voilà et euh, du coup comme tout à l'heure on reprend l'outil rectangle de sélection, on essaye de faire un grand liseré hein, euh, on le place on se place en blanc couleur de premier plan, on remplit tout ça comme tout à l'heure, hein, maintenant vous savez faire Là, on reprend l'outil euh, eh rectangle de sélection pour supprimer, pour ne garder qu'un pixel de large. Voilà, c'est pas mal. Donc là, on peut venir, bah, vous voyez, on se justifie par rapport à la première gouttière, comme ceci. Donc là, on est bien. Ou par rapport même au centre, au centre de la gouttière. Ça peut être bien. Voilà. Et là, du coup. On descend un petit peu tout ça à ce niveau. Donc là, on essaie de laisser une petite marge hein, de, euh, ouais, de 40 pixels à peu près. Par contre, comme tout à l'heure, c'est un peu pétant tout ça, hein, notre liseré. On va le baisser. Hein, on va se mettre en 20 en opacité. Ça me paraît beaucoup mieux. Et euh, tant qu'on y est, on va le dupliquer ce liseré. Voilà, pour le positionner, vous voyez, à peu près ici. Donc là, on peut rajouter un repère comme ceci, et voilà, et on descend tout ça. Vous voyez, il hein, n'y a rien de bien compliqué, c'est juste, bah, ça prend du temps, c'est normal, hein, mais euh, c'est assez facile dans l'ensemble. Au niveau du, euh, du comment, du contenu, donc, euh, des derniers tweets, euh, là, ce qu'on peut venir faire, c'est créer un premier donc, rectangle, là, on va juste faire un calque, donc, qui va reprendre exactement la même largeur, hein, donc 270 pixels de large, voilà, qu'on va remplir par exemple d'une couleur, bah, de la couleur bleue, la même couleur. On remplit tout ça. Par contre, là, on va baisser l'opacité. On, on va se mettre en 10 ou en 15 en opacité. En 10, c'est pas mal. Voilà, donc là, on essaie de bien se caler. On n'est pas trop mal. Au niveau de la hauteur, on peut peut-être à peu près se mettre en, Allez, en 125. Comme ça, histoire de rajouter quand même notre tweet euh, et puis euh, à quelle heure le tweet a été posté. Donc là, on n'est pas trop mal. qu'on peut venir faire, c'est à peu près se centrer, vous voyez. Donc là, on ne va pas prendre en compte ce repère, maintenant on n'en a plus besoin. Donc, on peut venir supprimer tout ça. Donc là, on va essayer de, de centrer tout, tout ce qu'on va faire à peu près, vous voyez, dans nos colonnes. Donc là, on est bon. Du coup, là, on avait dit qu'on était... Bah, je me rappelle plus. Qu'on était en 270 par 125. D'accord Donc on va recréer un nouveau... D'un nouveau comment calque arrondi. On se remet en 270 par la hauteur 125. Et là au niveau des angles, on va dire ben on veut 0 en haut. Alors je la refais, on veut 0 en haut. Voilà et puis en bas par contre, on veut 5 pixels. Voilà. Et puis du coup, on valide, on rebaisse l'opacité à 10. Et là on essaie de ben, recaler tout ça. On laisse un ou deux pixels, vous voyez, de séparation. Peut-être un pixel ou deux. On va laisser deux pixels. Voilà, donc là on vient de constituer notre petit tableau de tweet. On va pouvoir euh, peut-être bah, renommer. Donc là on a rectangle. On a notre calque 1. Donc on va mettre fond tweet 1. Et puis lui, on va mettre fond tweet 2. Voilà. Parfait. On se replace dans le document source et là on va venir récupérer ICO Twitter. Donc ICO TW, on le place dans un document. Donc ça c'est des choses que vous pouvez récupérer facilement sur Internet et euh, donc là on peut le mettre en premier plan, tout ça. On prend l'outil texte, on clique n'importe où et on vient taper dernier euh, dernier tweet par exemple euh, tweet voilà. On va mettre tout ça en blanc. Pardon, on sélectionne. On se met en blanc. Et ben là, on peut peut-être se mettre en 18, hein, en... au niveau de la taille de la police. Et voilà, on essaye à peu près, encore une fois, hein, de centrer Oups. tout ça. Donc, au tweet, on peut peut-être l'avancer un petit peu. Le dernier tweet. Pareil, on peut le décaler un petit peu. Voilà, après c'est du peaufinage. Ok. Bon, là, on n'est pas trop, trop mal. Hein. Du coup, notre faux texte du dessus, là, on va venir le récupérer. Tant qu'à faire. Et là, on reprend l'outil texte. Et puis, là, ce qu'on fait, c'est, vous voyez, on va venir créer un rectangle carrément avec l'outil texte. De sélection comme ceci. Et on vient coller. On enlève les trois petits points à chaque fois, par exemple. On colle ça deux fois. Bon, on essaie de faire tenir tout ça sur trois lignes. Parce qu'un tweet, généralement, c'est pas très grand. Voilà. À peu près comme ceci. Et là, on va venir rajouter, à peu près. Euh, ouais, ici, arrobase. Donc, du coup, votre nom sous Twitter. Donc, nous, c'est Collective Teammate. On va se placer en bleu pétant comme ceci. Et puis juste en dessous, on va pouvoir rajouter l'heure ou la date hein, à laquelle vous avez passé le tweet. Donc par exemple, il y a 3 minutes. Ça, on sélectionne. Et puis, on va pouvoir lui spécifier une couleur. Peut-être, euh, voilà, ce rose-là. Voilà. Du coup, si on sélectionne, on peut peut-être aussi... Voilà, diminuer tout ça. Si l'interlignage ne vous va pas, n'hésitez pas à l'augmenter ici. Hein, de vous mettre en 15 par exemple. Donc là, en 15 même, on n'est pas trop trop mal. Le... Au niveau du corps aussi, n'hésitez pas aussi à vous mettre peut-être en 13. Hein, on était, là on était en 12. Donc là, moi ça me paraît bien. Donc il y a peut-être un ou deux mots en trop. Mais on est vraiment pas mal. On va peut-être se mettre plutôt en 16 en interlignage. Voilà, donc là c'est aéré, c'est propre. On n'hésite pas, on le duplique, on appuie sur Alt et Shift pour rester droit. Et on vient juste changer ici, il y a 3 minutes, en euh, il y a par exemple une heure. Voilà. Donc là on a vraiment une belle petite mise en situation. Si on enlève les repères. Donc, on voit qu'on euh, qu aurait peut-être pu descendre l'ensemble de notre bloc pour pas que ça soit au même niveau que les repères ici. Donc, bah, pas de problème. Hein. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient sélectionner donc, dans notre footer tous nos calques sauf le liseré de copie et le liseré euh, tout court. On clique, on appuie sur Shift. Donc, on va juste ne pas sélectionner le fond footer aussi. On appuie sur Shift. Donc là on a oublié quelque chose, on a oublié le, bon c'est pas grave, on va venir le récupérer après. On essaye de le descendre un peu plus bas comme ceci. C'est juste je sais pas où j'ai mis en fait le Lorem. Ah bah oui, d'accord. Ok, donc ces deux calques en fait, vous voyez, ils étaient euh, restés dans mon dossier contenu, c'est de ma faute. Hein j'aurais dû y penser avant, donc, mais pas grave, hein. je viens le déplacer, donc déplacer ces deux calques dans mon footer, et du coup je peux redescendre tout ça, voilà. Contrôle H, du coup, euh, donc là on est bien, on peut venir peut-être rajouter un repère, hein, pour dire qu'en fait, euh, tout ce qui va commencer dans les colonnes va commencer à cet endroit. Donc là, on a fait les derniers tweets, ce qu'on peut venir faire, c'est dupliquer... Le, euh, notre calque, notre dernier calque texte, on vient tout supprimer, tant qu'à faire, et là on va venir récupérer toutes, euh, tous nos liens. Donc on vient récupérer accueil, on vient récupérer à propos, on vient récupérer référence, on vient récupérer actualité. Vous vous dites, mais il a une mémoire d'enfer, ce Damien. Mais non, j'ai je... <laughs> deux écrans, je vois ce que je fais sur l'autre écran. Voilà, euh, surtout aujourd'hui, j'ai une petite mémoire, donc du coup, ça fait plaisir d'avoir un écran à côté pour m'épauler. Voilà, partenaire et là, contact. Donc là, ça me paraît pas mal. Ce qu'on peut venir faire, c'est sélectionner tout ça. Là, on a, bon, on est en vert ici en couleur de second plan. Si vous ne l'avez plus, le verbe, bah, vous venez le récupérer tout simplement ici dans le menu. Au niveau de l'interlignage, là, on peut mettre quand même un, un interlignage assez costaud. On peut se mettre en 35 pour voir. Bah, là, ça me paraît pas mal, en 35. OK. Du coup, on peut peut-être décaler ça un peu plus vers la droite. Vous voyez, pour garder à peu près la même gouttière entre les deux. On duplique tout ça. Donc là, on se met en couleur vert pour nos... Euh, Pardon, pour euh, nos rubriques principales, on duplique en faisant Alt et Shift. On se met là, pourquoi pas, en gris, euh, gris recherche, comme ceci. Ou en gris ici euh, du fond du filtre, on fait OK. Et là, on va pouvoir mettre nos rubriques les moins importantes. Hein, mais bon, newsletter. Newsletter bien de les euh, mettre dans le site dans le footer sitemap et puis mention légale voilà contrôle h ou commandage pour voir ce que ça donne ok c'est pas trop mal hein. ouais bon là ça me paraît pas trop mal maintenant ce qu'on peut venir faire c'est ben, interagir directement sur la colonne La dernière colonne Créer nos derniers boutons liés aux réseaux sociaux Donc du coup On remet les repères Contrôle ou commande et H Et juste ici encore une fois On va prendre le bouton arrondi Donc le bouton rectangle arrondi On fait un rectangle Qui va faire Même un carré on va faire On va faire un carré qui va faire Vous allez voir pourquoi 60... On va le mettre à 77. Voilà. De 77 par 77. Au niveau de la couleur, on va lui spécifier une couleur un peu spéciale, puisque ça va être la couleur euh, de Facebook. On va se mettre en 3468AF. Voilà. Et puis, en dessous, on va lui dire. Bah déjà, on va se mettre en 5 pixels partout. Sauf en bas, on les met à 0 pixels, les angles. On fait OK. Et là on peut venir dupliquer Oh non on va pas le dupliquer, on va faire un par un, ça va être plus simple. Euh, donc là bah écoutez on n'est pas trop mal. On peut venir si le dupliquer lui et le mettre plutôt en 35 pixels de haut. Et là on va pas s'embêter, on va faire un CTRL T, on va le retourner. Vous voyez, paf, comme ça du coup les angles qui étaient en haut se retrouvent en bas. J'ai peut-être été un peu vite. Alors on était comme ça, on refait CTRL-T pour tout sélectionner. Et vous voyez, quand on passe la souris sur les angles, vous voyez, il y a une double flèche qui apparaît. Et c'est-à-dire que là, il nous propose de pivoter le calque. Donc généralement, ce que je fais, moi je clique sur Shift. Vous voyez, pour passer de 15 en 15. Voilà, hop, j'essaye de me remettre comme ceci. Et là, vous voyez, ben, je viens de le retourner parfaitement. Sinon, il y avait une autre méthode c'est de faire CTRL-T, encore une fois, clic droit, symétrie verticale, et voilà, is les angles, vous les retrouvez en bas. Du coup, ça, on le recale au même niveau, on vient juste changer donc, sa couleur, hein. en sélectionnant dans le sélecteur euh, donc cette icône, hein. on vient changer ici sa valeur, on va venir mettre 1A4E95. On valide. Voilà. Donc là, ça me paraît pas mal. On va venir récupérer maintenant dans nos icônes, donc dans notre fichier source, l'icône Facebook, donc ico fb. On vient la placer à peu près ici. Voilà. On la place comme ceci. Pas trop centré puisque là, on va rajouter le nombre à ah, quoi que si, ce soit, qu sera en bas le nombre, le nombre de fans. Donc là, on se positionne comme ça on va pouvoir reprendre l'outil texte on clique n'importe où et là bah, écoutez on va vous met... on va se mettre à 1135 par exemple on va changer sa couleur on se met en blanc ok donc là on est pas mal en 13 on peut peut-être se mettre en 15 plutôt pixels voilà donc là c'est très bien et on va faire la même chose du coup avec euh bah avec les autres euh... ah là je viens juste de m'apercevoir une petite erreur c'est ma faute c'est que là normalement il n'y aurait pas dû avoir d'angle donc on va pouvoir revenir en arrière je suis désolé on va pouvoir revenir en arrière donc si bien que là je vais supprimer ce rectangle je serai garder la couleur avec la pipette voilà, je la garde en mémoire. Je supprime ce rectangle. Et là, je vais refaire du coup un rectangle qui faisait euh, 75, hein, si mes souvenirs sont bons. 77 même, en largeur, par... Euh, c'était 35 en hauteur. Hop là, désolé, hein. mais du coup ici, on se remet en 5, ici en 5. Là, on se remet bien en 5, pardon, en bas à gauche, et là, on se met à 0. On se met à 0, et en haut aussi, bah, on se met à 0 aussi, pardon. Voilà. Et ici, on se met à 0 aussi, du coup. <laughs> Donc en fait, on se met à 0, 0, 5 et 0. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Euh, au niveau bas de sa couleur, on peut bah, recliquer ici, puisque c'est la couleur récemment utilisée, et c'est la bonne. Parce que là, en fait, on va venir recréer des petits carrés, vous voyez, pour l'icône Google+. Là, on aurait dû faire pareil, en fait, euh, au-dessus, hein, sur le rectangle arrondi 2. Mais bon, on peut venir tricher, hein, tant pis, hein, on peut venir cliquer dessus, on fait euh, pixeliser le calque. C'est bien, parce que comme ça, je vous montre des petites manips. Hein. Le jour où vous faites des erreurs, bah, on peut toujours se rattraper avec Photoshop. Et là, du coup, on prend l'outil rectangle de sélection, et là, vous voyez, on... On essaye de refaire un petit rectangle et de resélectionner la couleur plutôt là. On va se resélectionner la couleur ici et édition remplir. Voilà. Donc là on est mieux. Alors du coup là on va créer un nouveau calque qu'on va appeler fond. Euh, on va l'appeler fond Twitter même. Fond. Oui, et euh, on reprend l'outil rectangle de sélection. Donc là, on, on avait dit qu'on avait 77 de large par. En fait, c'est un carré de 77 par 77. Donc là, on ne peut pas trop se hein. On prend l'outil rectangle de sélection. On remplit donc de la même couleur qu'on avait ici. Et on peut venir dupliquer ce calque en faisant Alt et Shift, on appuie sur Ctrl T et on vient remonter tout ça. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué jusqu'ici. On valide, on fait un petit contrôle clic sur ce calque, on ouvre le sélecteur et puis là, on va pouvoir bah, lui mettre une couleur un peu plus foncée. Donc on descend hein, sur la ligne horizontale on, pour garder les mêmes tons et on remplit tout ça. Voilà. On aurait peut-être pu même le remplir d'une couleur un tout petit peu plus foncée. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va se... Bah si ce qu'on peut faire, c'est reprendre l'icône Twitter qui est ici. On la duplique. On la remonte tout en haut. Donc là, on va dézoomer. Puisqu'on l'a dupliquée. Et du coup, elle est venue par-dessus l'icône euh, dédiée au dernier tweet. Et là, hein, on essaye de se centrer encore une fois. Voilà. Au niveau du chiffre, on se remet sur 1535. On le duplique. Donc là, il passe en dessous normal. Là, on remet en premier plan. On peut mettre une valeur un peu moins grande, par exemple. 535. Voilà. Et là, ça va aller vite, hein, puisque euh, ce qu'il nous faut pour le Google, c'est exactement la même chose que le Facebook, mais on aura juste à inverser euh, les deux calques. Donc, vous allez voir que ça va être très facile. On prend donc, le rectangle arrondi 3, le rectangle arrondi 2. On fait Alt, Alt Shift, même pour rester droit. Ctrl T, clic droit, symétrie horizontale, touc. Et voilà, on vient recoller tout ça mal du coup on peut venir spécifier une couleur pour le google le google plus donc on peut venir lui spécifier e64 C65. Okay. Euh, c 65 ok c'est ça tac Ah, je me suis trompé je voulais mettre ça en haut euh, bon c'est pas grave on va garder cette couleur on fait CTRL-C de la valeur, on se repositionne donc sur le rectangle arrondi, Donc, soit on fait CTRL-CLIC dessus, et on va venir remplir, donc on colle la valeur hexadécimale qu'on vient de copier, et on remplit d'une couleur de premier plan, on peut faire ça, et du coup euh, notre valeur ici, on peut double-cliquer dessus maintenant, incrustation de couleur, et on peut euh, lui spécifier une couleur barose, mais un peu euh, plus soutenue. On peut se mettre en C C 32 4 et B. On fait OK. Voilà. Il nous manque l'icône Google donc on vient la récupérer directement ici. Voilà. On la met en premier plan. Toc, et on essaye donc de la centrer hein. comme ses petits camarades le 1535 ou le 535, pareil, Shift, Alt, Alt Shift pour dupliquer, rester droit. Et là, hein, on met une, une valeur différente. Tac, hein. voilà. 1, 2, 3, 4. Parfait. Donc là, on vient de faire nos boutons euh, dédiés aux réseaux sociaux. Donc, on peut venir, si on veut... sélectionner tous ces calques donc là il m'en manque un il m manque un. Euh, il m manque un donc c'est lui ouais c'est lui pardon on sélectionne tous ces calques on fait clic droit lier les calques comme ça au moins tout est lié c'est parfait on peut descendre ça un peu plus bas pourquoi on fait ça bah, tout simplement puisqu'on va pouvoir euh, par exemple insérer un petit titre au-dessus. Donc euh, le accueil, on peut le dupliquer par exemple ici en faisant Alt, Alt-Shift. Voilà. Donc du coup, notre... Euh, on supprime bien sûr tout ce qu'il y a dedans. Voilà. On peut élargir notre rectangle de texte. Et là, on peut taper bah, nous suivre tout simplement. Voilà, on peut lui spécifier un corps de 18 et puis une couleur. On peut se mettre bah, couleur Twitter si on veut. Voilà, nous suivre. Ok, donc là on est bien. Si bien que là vous voyez, on vient de. Comme on a tout, scellé, tout euh, lié, là on sélectionne juste un calque et puis on donne des petits coups de flèche directionnelle hein, pour remonter tout ça. Tout se suit, c'est parfait. Et en bas, on peut peut-être venir rajouter notre logo. Donc le logo se trouve dans le header, vous vous rappelez euh, Alors le truc qui peut être intéressant à faire, c'est même dans un dans un dossier si vous avez beaucoup de calques, il peut être difficile de vous retrouver, même si vous avez tout renommé. Alors ce qu'on peut faire, c'est faire un clic droit, vous voyez, sur le logo. Et là, généralement, il sélectionne directement, vous voyez, logo teammate on clique dessus et là ouais parfait il vient bien de nous euh, sélectionner donc du coup on peut venir le dupliquer le logo team my copy et on va descendre tout en bas et on va le rajouter dans notre footer donc dans notre footer mais euh, bien sûr on va se mettre en premier plan voilà donc du coup on peut venir le positionner ici par exemple un peu plus bas ouais on peut peut-être mettre une petite séparation aussi entre euh, les réseaux et le petit texte qu'on va insérer en bas. Donc normalement, c'est un liseré, euh, le liseré copie 2, on fait Alt pour le dupliquer, CTRL-T, SHIFT et on donne, vous voyez Je le refais. CTRL-T. Là il y a les doubles flèches. Quand je me mets dans un petit coin. J'appuie sur Shift pour aller de 15 en 15. Et là, je vais me positionner à peu près. Euh, alors on peut réafficher les règles, les repères, voilà comme ceci, à peu près. Donc là bien sûr, CTRL-H, j'ai un surplus là de matière. Hop, j'ai juste à le supprimer en sélectionnant avec l'outil rectangle de sélection. Notre logo que l'on vient de dupliquer, il est peut-être un peu un peu gros. Donc le header je vais le fermer. Voilà. CTRL-T. Ctrl T hein, si on veut. On peut le réduire par exemple à 100 de large ou le laisser. Hein. C'est comme vous voulez. Si vous, vous voulez baisser aussi son opacité, bah, vous pouvez. On va laisser en couleur vive puisque le flat design c'est quand même des couleurs vives. Et on peut venir récupérer ben, du faux text encore, hein, le Lorem Ipsum hein, que l'on peut insérer directement ici. On peut venir élargir tout ça. Voilà. Et du coup, toc, venir sélectionner tout le texte, faire un petit copier, un petit coller, histoire d'avoir quand même des choses à raconter. Et par exemple, simuler un lien. Donc un, un lien, on peut soit lui mettre une couleur, euh, bah, la couleur vert, comme ceci. Vous voyez. Ou sinon lui mettre une couleur bleue. Voilà, ça fait peut-être un peu beaucoup de bleu. Sinon, c'est bien de trancher avec du vert. Donc bah voilà, notre maquette flat design est terminée. Vous voyez que c'était pas très compliqué à réaliser. Il suffit bah, de bien préparer ses documents en amont pour pas perdre de temps. Donc ses logos, ses icônes, de bien nommer ses calques et de pas hésiter surtout à faire des dossiers pour faciliter votre intégration après HTML, CSS, mais aussi tout simplement pour vous y retrouver dans votre euh, espace de travail. C'est toujours bien d'avoir des dossiers et d'avoir des calques nommés. Si vous avez bah, des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Là, on ne va pas décliner les autres pages, parce que maintenant, ben, je pense que vous savez faire. Hein, ça ne va pas être très compliqué. Il suffit, bah, par exemple, si vous parlez de, de la page actualité, bah, juste de rajouter un titre, peut-être une image, et puis un texte, et puis de mettre plusieurs actualités les unes en dessous des autres. Hein. Pour euh, votre CV, bah, ça peut être juste un PDF à télécharger, ou sinon, bah, vous refaites un peu de mise en page hein, du titre pour vos compétences. Pour les titres de vos le titre compétence, et puis bah, des paragraphes pour faire un listing de compétences, etc. C'est etc. pour ça que je ne décline pas les autres pages. J'espère que bah, vous avez apprécié ce petit tuto. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Euh, vous pouvez m'envoyer un petit mail à damien.teamate.fr. Vous pouvez venir aussi sur le site, euh, sur notre site internet, hein, www.teammate.fr. N'hésitez pas à partager tout ça autour de vous, hein, tout cette, euh, ce petit tuto, ça nous fera très plaisir. Et puis, euh, je vous retrouve très rapidement pour un prochain tuto. A bientôt!